Carrefour inaugurait aujourd'hui, du côté de Dijon, un nouveau concept d'hypermarché. Ça s'appelle Next, Karine. Ouais, c'est tout un programme. Hein. Rodolphe Bonaz, bonsoir. Bonsoir. PDG de CACOM. Une grosse rentrée pour Carrefour, parce que donc aujourd'hui, ils présentent Next, donc leur nouveau concept d'hypermarché. Mais on va voir qu'il y en a plusieurs concepts d'hypermarché, parce qu'il faut répondre à chaque fois à des demandes différentes. Et demain, ils inaugureront carrément une nouvelle enseigne en France, une enseigne qui s'appelle Supéco, et qu'ils ont déjà à l'étranger, mais on y reviendra dans un instant. Cette refonte du modèle de l'hypermarché, ça fait 18 mois à peu près qu'Alexandre Bompard nous dit qu'il faut faire quelque chose. Ben là, ça y est, on s'inscrit. Hein, c'est vraiment ce qu'on avait appelé le plan de transformation des hypermarchés. Et là, on voit qu'au cœur de ce nouveau magasin se développent tous, en fait, toutes les attentes, toutes les envies des consommateurs, puisque, bien sûr, la part belle est donnée, vous savez, à l'expérience de consommation, c'est-à-dire le frais. Hein, ils ont créé ce qu'on appelle la fraîche avenue. Hein, c'est vraiment un lieu dans lequel on va pouvoir à la fois, bien sûr, retrouver la boucherie, la marée, les fruits et légumes, mais aussi cet univers de traiteurs, de l'asiatique, de l'italien. On pourra manger sur place. Alors, on va pouvoir manger sur place. Juste à côté, il y a près de 200 places de restaurants. Vous voyez, on se rapproche un peu, je ne sais pas si vous vous souvenez, de Emma Fresh. Vous savez, c'est cette enseigne créée par Alibaba en Asie qui faisait exactement la même chose et donc qui proposait aux clients d'acheter ses produits. Ça existe toujours ? Toujours, bien sûr. Qui propose, ce type d'offre. Et donc là, on va dans l'hypermarché. Ouais. On est dans ce rayon frais, dans cet espace sensoriel, c'est un hypermarché qui donne carrément faim. Hein, quand on rentre dedans, on a envie quasiment de tout acheter et l'idée, c'est de le consommer sur place. Donc l'idée, c'est on met moins de non-alimentaires, parce que ça, c'est ce qui ne marche pas dans les fait des choix. Hein, c'est-à-dire que là, on a choisi, par exemple, dans ce magasin, de privilégier la beauté, l'animalerie et on met de côté le gros électroménager et une partie du textile. Pourquoi ? Parce qu'on veut vraiment événementialiser et rendre l'expérience client intéressante, avoir du conseil, pouvoir toucher, sentir, goûter les produits. C'est l'intérêt du magasin. Hein, on l'oublie souvent. Maintenant, aujourd'hui, on va en magasin pour toucher, sentir, discuter avec un vendeur. C'est la tentative, une tentative de Carrefour, mais pas que de Carrefour, de tous les acteurs de la grande distribution, d'essayer de relancer le concept d'hypermarché dont on dit qu'il est voué à disparaître, Rodolphe. Est-ce que c'est vrai, finalement ? Alors, il ne faut pas oublier que même s'il y a, j'allais dire, un peu moins de clients dans les hypermarchés, il y a encore beaucoup de clients dans les hypermarchés. Il y a encore de l'avenir pour l'hypermarché. Bien sûr. Là, ici, ce que je veux vous dire, c'est que souvent on dit les hypermarchés sont voués à disparaître. Non, on a un souci sur les très gros formats d'hypermarché. Je rappelle qu'un hypermarché, c'est un magasin qui fait plus de 2500 m², mais dedans, il y a des magasins de 3, 4, 5, 6 000 et puis des magasins qui font 15 ou 20 000. Ceux-là, on va les réduire. Mais aujourd'hui, des hypermarchés de 5, 6, 7, 8 ou 10 000 m² fonctionnent encore très bien. Et on a ouvert, je le rappelle, en 2018, encore plus 66 hypermarchés, c'est-à-dire on a un solde positif d'ouverture d'hypermarchés. C'est ça. Donc le concept ne disparaîtra pas, il évolue.